feu pour faire une intro. Faire attention au feu quand même. Salut à tous. Bienvenue à Taipei sur l'île de Taïwan. Pour ce Discover Run, on commence et on est dans le quartier de Ximen. C'est un des quartiers les plus un peu touristiques, beaucoup de boutiques. Ce quartier que j'ai choisi pour m'installer. Donc on part de là. Vous verrez pas la tour de Taipei, puisqu'elle est un peu loin, mais je vais essayer de faire quelques parcs assez sympas. Logiquement, j'ai le parcours dans ma tête, mais de là à ce que j'aille jusqu'au bout, c'est pas gagné. Allez, c'est parti! De je sais plus quoi, Chiang Mai Chiang. Ah ouais, ça en jette quand même. On va repartir, je sais pas par où, mais on va repartir. Il est super cool ce petit passage. Pas, j'attends le feu. Mais voilà, 26 secondes encore pour traverser. Oh, c'est traiteur. Logiquement, je suis quelque part. La voilà. On la voit là-bas, la Taipei 101. La fameuse seconde tour, la plus haute du monde. Et c'était la plus grande avant qu'il ait à Burj Khalifa. Ouais, non. Non, là, je vais pas passer par là. Pas une bonne idée. Il est mignon ce petit écureuil. Voilà. On va sortir du parc de Dan et là. Il y a une passerelle là, enfin moins de passerelle. Hop. C'était marrant. Quartier de Gongguan.
A priori, comme on ne peut pas traverser, je pense que ça, c'est les zones pour traverser. Hop là. Ouais, c'était bien ce que je pensais. C'était pour traverser. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec les cheveux, mais des RCO. Voilà. Bon, enfin, celui-là est tout pourri hein, quand même. Mais il y en a vraiment plein sur 2-3 étages. Il y en a vraiment partout. Ils ont un complexe du cheveu ou quoi? Ça c'est fort, ça c'est fort. Le musée de l'eau potable. Je savais qu'on pouvait faire des musées de tout, du chocolat, de l'horreur, du sexe. Mais le musée de l'eau potable, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Je crois que ça doit être par là. Je vois Gunting Riverside Park, donc ça doit être par là. Je pense qu'on doit pouvoir obtenir quelque chose par là. Ouais. Oh, on va pas s'oublier des petits cœurs. Enfin, des gros cœurs. Je prends l'ascenseur. Parce que je sais plus trop où je dois aller, donc je vais prendre un peu de hauteur. Je crois que c'est ce parc-là. Ouh là, on est en 5e. Bon, oh, ça doit être bon alors. Qu'est-ce que c'est que ces filets? Ah, c'est du golf! C'est du golf! Eh oui, tous les points blancs, c'est pas de la neige, c'est du golf! C'est un practice de golf! Parce qu'au début, je me suis dit jouer au tennis, mais ça n'a vraiment pas joué, hein, parce que les balles, elles vont très haut. Ça fait dodo. Quand même, ça se fait pas trop. Hop, je fais le tour, voilà, comme ça. Là, c'est fermé, alors du coup, je passe pas. Voilà. Hop, voilà, petit sentier de cailloux. C'était le moment zen de Disco Run. Oula! Alors je sais pas si vous voyez, il y a un rectangle blanc qui est devant là-bas, devant le carrefour. En fait, à quoi ça sert? C'est pour les scooters. S'ils veulent tourner à gauche, ils n'ont pas le droit de tourner à gauche directement. En fait, ils viennent se placer ici. Voilà, comme le scooter qu'on voit là. Donc ils viennent se placer là pour attendre une deuxième fois le feu. Voilà, ils attendent une deuxième fois le feu pour aller à gauche. Voilà, c'est exclusif aux scooters. Alors là, on va rentrer dans le deuxième marché du jour. Vous allez voir, c'est terrible. Bon, je vais me mettre à marcher parce que là, sinon, ça va être le bordel. Alors attention les yeux. Youhou ! Alors, hier, je suis venu ici, mais de nuit, et c'était complètement désert. Voilà, je vous mets une petite vidéo là, voilà. Voilà, c'était comme ça hier. Je me suis dit au début c'était abandonné, mais en fait non, c'était juste que c'est un marché de jour et était ouvert que le jour. Là on voit bien l'activité. Voilà, et là, on arrive devant le temple Longchang. Très joli ce temple. Là, je vais quand même éviter de courir. Voilà, je fais une petite visite rapide, puisque c'est un temple, donc c'est gratuit, c'est ouvert. Et, à part les offrandes que l'on peut faire, mais dans
mesdames et messieurs, je sais que je pue, je suis. J'ai déjà couru 14 km. Et voilà. Alors, c'est pas la table du ravito. Ce sont les offrandes. 3, 2, 1, oula! J'ai essayé de traverser au bon moment. Et là, on va rentrer dans le night market, donc à mon avis, tout va être fermé pour le coup, à l'inverse. Alors, il y a tout, il y a des restaurants, mais il y a. La plupart du temps, c'est quand même des salons de massage. Il y a même un restaurant où ils vendent des serpents, je crois. Enfin, des serpents à manger. Session terminée. Bon, j'espère que la balade dans Taipei Sud vous a plu, avec tous ces parcs, le mémorial, qui était très, très impressionnant, et le plus beau temple, là, à la fin. Et les petits night markets tout fermés, et les day markets qui étaient pour le coup ouverts. Ouh. À bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.